Dix petits amis des ménages de Mitsumasa Anno. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix amis habitaient dans la maison de gauche. Mais ils ont décidé de déménager l'un après l'autre pour aller habiter dans la maison voisine. Dans la maison de gauche, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits amis. Comme moi, mais 10 cailloux pour représenter les 10 amis dans la maison de gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maison de droite, pour le moment, il n'y a personne. J'enlève mes petits cailloux. Et je vais voir le nombre de petits amis qu'il y a dans la maison de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien y en a-t-il dans la maison de droite? Comme moi, tu vas pouvoir t'aider avec les petits cailloux qui représentent les 9 amis restés dans la maison de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 9. Il me reste un caillou. Donc je sais qu'il y a un petit ami qui est parti dans la maison voisine. Et oui. Le petit caillou représente ce petit ami qui est déjà dans la maison de droite. Donc on peut dire que 9 et 1, ça fait 10. Je regarde la maison de gauche et je compte combien il y a de petits amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme moi, place 8 cailloux dans la maison de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainsi, je sais qu'il y a déjà deux amis qui ont déménagé dans la maison voisine.
2. Donc 10, c'est aussi 8 et 2. 8 et 2, ça fait 10. Je compte les petits amis de la maison de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les représente avec mes petits cailloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je sais qu'il y a 3 petits amis qui ont déménagé dans la maison voisine. 1, 2, 3. Je peux dire que 10, c'est 7 et 3. Je regarde à nouveau la maison de gauche et je peux dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je représente avec mes petits cailloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À présent, je peux dire qu'il y a 4 amis dans la maison voisine. 1, 2, 3, 4. Donc 10, c'est aussi 6 et 4. Maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, comme les 5 doigts de la main dans la maison de gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maison de droite, il y a donc 4, 5 petits amis qui ont déménagé comme 5 doigts de la main. Donc 10, c'est 5 et encore 5. Reste 1, 2, 3, 4 petits amis dans la maison de gauche. 1, 2, 3, 4. Dans la maison de droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits amis ont déménagé. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 10, c'est 4 et 6. Je vois directement qu'il y a 3
amis dans la maison de gauche, dans celle de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux dire que 10, c'est 3 et 7. Deux amis dans la maison de gauche. Dans la maison de droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, y a-t-il bien 8 petits amis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je peux dire que 10, c'est 2 et 8. Il n'en reste plus qu'un dans la maison de gauche. Donc dans la maison de droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je peux dire que 10, c'est 1 et 9. Tiens, il n'y a plus personne dans la maison de gauche. Donc, je vais pouvoir dire que tout le monde est arrivé. Donc, normalement, je dois avoir mes 10 petits amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.